les dernières actualités, la dernière fiche patrimoine, les dernières fiches commémoratives, pardon, ici, et là, les dernières fiches patrimoine. Donc, en première page, à tout moment, sur le site, vous avez les informations concernant les derniers éléments mis en place sur la plateforme. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire un concours à laquelle est la commune qui aura mis la dernière fiche patrimoine. Il s'agit surtout de faire porter à la connaissance du public ces personnes qui étaient des maîtres à Magnoc, qui ont œuvré pour la bonne ville. On va terminer ici sur la partie portail grand public et on va passer. Juste pour ajouter une petite information, donc pour bien distinguer la fiche patrimoine qui est mise en fait, pour l'information vient de la collectivité, alors là on est vraiment de la communication de la collectivité, et puis l'espace commémoratif qui est mis à disposition du grand public pour pouvoir honorer un de ses défunts. Et l'espace commémoratif, vous pouvez le rendre public pour mettre à disposition de tout le monde, ou le garder à titre privé, pour accéder par votre compte, ou à certains membres de votre famille qui vous donneriez un code d'accès. Une chose importante, on a travaillé aussi avec les services de la CNIL et de la DGCL, donc Direction Générale des Utilités Locales, qui ont validé complètement les informations qu'on peut mettre à disposition sur cette plateforme. Aujourd'hui, sachez-le, il n'y a rien qui vous interdit de mettre l'information sur un défunt, même si la famille s'y oppose. Alors ça, c'est la théorie. Aujourd'hui, une personne qui est défunte n'est plus protégée par la loi 78 sur l'information informatique. Pour autant, on est bien conscient que c'est quelque chose de nouveau, que vous avez potentiellement des personnes qui n'ont pas envie. Des fois parce qu'elles ne mettent déjà pas l'épitaphe sur la sépulture, donc pour une raison sur laquelle on ne reviendra pas, qui n'ont pas forcément envie que l'information soit disposée sur une application mobile, sur un site internet ou sur une borne. Depuis l'outil de gestion, vous pourrez tout simplement, en cochant une case, faire en sorte que l'information ne soit pas diffusée sur le public. Vous l'aurez dans la gestion, vous pourrez continuer à donner l'information aux personnes que vous considérez comme étant habilitées à avoir l'information de la famille. Pour autant, voilà, si ce cas arrive, on l'a prévu. Et donc, à ce moment-là, lors des recherches, il n'y aura pas le retour sur ces sépultures. Donc, vous pouvez bloquer ces informations-là. Ce qui est important aussi, c'est le compte privé qu'on a créé qui vous permet de gérer vos favoris et vos alertes. Alors, quand je parle de favoris, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire j'ai mon défunt ou une sépulture favorite, mais on trouve peut-être un autre terme si vous en avez un, je serais intéressé de l'avoir. L'idée, c'est de pouvoir non seulement aller très vite à l'information concernant vos sépultures, vos défunts, mais surtout se créer des alertes. Je prends un exemple typique. Vous avez un problème qui intervient sur une sépulture, vous, en tant que gestionnaire, vous allez mettre une alerte sur cette sépulture en disant il y a eu une dégradation ou quoi que ce soit. Les personnes qui auront cette sépulture en favori dans leur compte pourront recevoir une alerte dès le lendemain pour dire qu'il y a un événement sur cette sépulture. Et donc, aussi, il y a des événements importants. Donc, ça, on calibrera aussi avec les collectivités avec lesquelles on travaillera en termes de pionniers, de voir un petit peu quels sont les éléments considérables comme importants pour alerter effectivement les familles. Ça peut être une nouvelle animation, ça peut être le lancement d'une procédure de reprise. La concession d'état d'abandon qui concernera cette sépulture. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une remontée d'informations. Sachez que tout ce qui va être intégré sur votre outil de gestion, toutes les nuits, il y a une mise à jour, et donc on se retrouve sur les outils de communication le lendemain. Alors, il fallait que ce soit relativement court pour que l'information soit suffisamment pertinente. Donc, du jour au lendemain, ça va à peu près. Par contre, pas trop court non plus, parce que si vous faites une erreur, voilà, vous ayez le temps de revenir dessus dans la journée avant que ce soit effectivement communiqué à pas de temps tel. Mais bon, voilà, pour les personnes qui sont à distance, c'est vrai que c'est très important de pouvoir être alerté d'un événement sur une sépulture qui le concerne ou qui le concerne. Donc, ça, c'est vraiment une des nouveautés de cette plateforme. Enfin, je reviendrai sur la partie professionnelle. On en parle très peu là parce qu'on va effectivement rencontrer les professionnels du funéraire dans un deuxième temps. Donc, d'abord, faire cette plateforme pour les collectivités et le grand public. On va les rencontrer pour effectivement remonter l'information
qui les concerne. Et pour nous, même pour les collectivités et pour le grand public, il est important quand même d'aller jusqu'au bout de l'information sur les habilitations, sur effectivement qui a le droit de travailler où, dans quelles conditions. Donc ça, c'est l'information qu'on ajoutera. Mais on va rencontrer d'abord les professionnels dans ce cadre-là. Mais tout le développement a déjà été mis en place pour qu'on puisse donner le maximum d'informations aux collectivités ou aux entreprises ensuite. Alors, je vais juste ajouter un point important aussi par rapport à ça, c'est que ça fait partie aussi des éléments que le grand public va faire, c'est de pouvoir faire fleurir une de ces cultures à distance, contacter un professionnel pour pouvoir demander une prestation. Ces prestations, on a choisi en fait de référencer les professionnels pour que les prestations s'adressent principalement aux professionnels qui sont à proximité des cimetières concernés. Voilà, et puis donc juste une dernière chose, là je conclurai par ça en ce qui me concerne. Évidemment qu'on a porté tout ce travail-là sur une application mobile, puisque bon, c'est quand même un gros pourcentage des recherches sur Internet aujourd'hui qui sont faites sur l'application mobile. Et donc on a développé une application qui s'adapte à tous les types de formats, soit tablette ou bien téléphone, où vous retrouverez l'ensemble des informations que vous avez sur le site internet, puisque tout est interopérable, et donc on va chercher des informations au même endroit. Et donc voilà, c'est vraiment la partie complémentaire pour pouvoir aller en mobilité et donc pouvoir effectivement avoir l'information sur soi, charger, rechercher dans un cimetière ou même à l'extérieur. Parce que bon, pour savoir vers quel cimetière je dois m'orienter, si c'est celui du haut ou du haut, par exemple, avant un allo, avant de prendre le virage qui va bien pour aller vers l'un ou vers l'autre, je peux le rechercher effectivement sur mon mobile. C'est plus intéressant de savoir avant. Et vous retrouverez l'intégralité des éléments importants de recherche et d'information. L'application mobile, bien sûr, reprend essentiellement toutes les informations liées au site internet, mais sont mises en forme de façon à ce qu'elles soient accessibles via un smartphone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi bien sûr la liste là, de tous les cimetières qui aujourd'hui ont fait l'objet d'un inventaire. Au total, 15 cimetières inventoriés, 13 051 sépultures localisées et 23 857 défunts répertoriés. Alors bien sûr, certaines communes, certaines données sont à jour, parce que les communes ont continué à travailler sur un outil de gestion, d'autres, les informations sont liées par rapport à cet état des lieux. Voilà. Donc là, ici, on a fini de vous montrer les aspects de l'application mobile, de la plateforme Mémoire de Guadeloupe. Compte tenu du réseau informatique, on est obligé de faire une manipulation. Donc on doit passer sur un autre PC, donc je vous donne 2 minutes, afin de montrer le dernier point concernant la plateforme.